Chers élèves et abonnés, bonjour. On se retrouve cette semaine du coup pour un cover, comme vous l'avez vu dans le titre, le cover du coup de Tones and I, le titre Dance Monkey. Vous pouvez retrouver le cover complet du coup, joué à la batterie du coup sur IGTV, sur mon compte Instagram, d'accord, qui va s'afficher en dessous. Parce que pour des questions de droits d'auteur sur YouTube, je peux pas mettre avec le son, avec la musique derrière. Par contre, sur Instagram, je peux, ainsi que sur Facebook. Donc, vous pouvez aller le voir, du coup, écouter ce que donne, du coup, toute cette partie de batterie que je vais vous expliquer maintenant, comment ça rend, du coup, sur la musique. Vous faites comme d'habitude, vous allez également dans le descriptif, vous pouvez retrouver toutes ces informations pour télécharger votre partition gratuitement, la partition qui est donc ici, avec plusieurs parties décomposées. C'est un cover, donc ce sont mes idées à moi de jeu de batterie sur ce titre, on est bien d'accord, qui colle parfaitement à la musique. Donc, on a ceci, qu'on va voir tout de suite. Ensuite, deux petits grooves, plutôt un petit peu plus disco. Et là, avec de la triple croche, un peu plus compliqué. Donc, pour ceux qui vont maîtriser un petit peu le roulé, d'accord? Si on maîtrise pas le roulé, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, les autres parties peuvent s'étudier. Pour information, le tempo de ce morceau est à 100 à la noire. Voilà. Donc, vous téléchargez votre partition, vous l'imprimez, vous vous installez à votre batterie et on attaque le tuto tout de suite. Donc, on va attaquer sur ce numéro 1. Comme d'habitude, on va attaquer, on va travailler ça temps par temps, d'accord? On joue pas la mesure en entier, on est débutant, on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc on fait temps par temps en comptant à voix haute. On repère bien, bien sûr, les notes en dessous, vous avez l'habitude. La grosse caisse, en haut, les petits trois, c'est le charlet. La note du milieu, c'est ma caisse claire. Donc là, je vais compter 1 et 2 et poum, 3 et 1, 2, 3, 4, 1 et je serai revenu au début. C'est cette manière-là qu'il vous faut compter pour arriver du coup à jouer ce titre là, ok? 1 et 2 et poum 3 et 1 2 3 4 1. Donc on y va, nous on va essayer d'aller là parce que d'aller du 1 au 2 c'est assez facile, on va essayer d'aller jusqu'au 3, d'accord? Allez, on fait ça ensemble. 3 et 4 et 1 et vous l'avez entendu, vous le voyez aussi sur le cover, sur IGTV, vous le verrez. Toute l'intro, en fait, se fait avec un cross-stick. Donc, je vais frapper hein, comme ceci sur mon cercle. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ce 1 et 2 et poum 3, il ne manquera plus qu'à faire le et du 3, c'est un charlet grosse caisse. Ça, tout le monde a bien compris. Donc, maintenant, on va plutôt s'entraîner à travailler la fin pour revenir au début, ce fameux 1, 2, 3, 4, 1, je reviens au début. Je décompose. Sur 1, je vais donc avoir un charlet caisse claire. Sur 2, une grosse caisse. Sur 3, un charlet. Sur 4, une grosse caisse. Et sur le 1 qui suit, donc celui du début, retour à la case départ, je vais jouer mon charlet grosse caisse. Ce qui va me donner ceci. Tiens, on va le faire d'ailleurs en cross stick, on entendra le son que ça donne. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Je vous joue maintenant ce numéro 1 en version cross-stick, puis en version caisse claire. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 1. Voici maintenant sur le numéro 2. On est dans un thème un peu plus disco. Donc là, je vous ai mis une ouverture de charlet sous la note numéro 3. C'est pour ça que vous voyez un rond autour de la petite croix. Voilà. C'est-à-dire que là, on va avoir une intention de l'ouverture de charlet. Je dis ouverture, mais ce n'est pas une ouverture. D'accord. Vous voyez où j'ouvre grand mon charlet. C'est vraiment, je soulève deux orteils, ça suffira. L'idée, c'est de desserrer les cymbales plutôt que de les ouvrir réellement. Et là, on aura un son assez joli. Le moment en fait où je vais resserrer mes cymbales, c'est le moment aussi où je mets ma grosse caisse, comme ceci. Voilà, j'ai ma grosse caisse qui arrive là, d'accord? Si là-dessus je fais un frisé régulier, le frisé coup par mec, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et bien j'aurai l'effet escompté du numéro 2.
ce numéro 2, avec cette grosse caisse qui est là sur tous les temps, et cette légère ouverture sur la troisième double, qui en fait va rester aussi un tout petit peu ouverte sur la quatrième, et vraiment de se fermer sur le 1 qui suit, on est bien d'accord. Ne fermez pas direct sur le 4, c'est pourtant ce que demanderait la partition quand on le voit, mais là on va laisser un petit peu le 4 aussi en train de se fermer, mais pas encore fermé. Ça va vraiment fermer sur le 4. Et là on a cet effet disco. Nous voici maintenant arrivés sur le numéro 3, quasiment l'identique du numéro 2, si ce n'est que je vais faire descendre tous les deux temps, donc ma main droite pour aller jouer la caisse claire, ok, sur le deuxième et quatrième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, charlet, 2, 3, 4, caisse claire, 2, 3, 4, charlet, 2, 3, 4, caisse claire. Et on va maintenir aussi cette ouverture de charlet qu'on a fait juste à l'instant sur le 2. Ce qui va me donner ceci. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez remarqué sur le numéro 3, donc quand la caisse claire arrive, elle est bien en même temps que la grosse caisse. On fait attention à ça. Et les notes numéro 2, numéro 4, on les joue très très légères, très très piano, ce qui va donner cet effet vraiment disco un peu plus poussif. Pour les plus motivés, on arrive maintenant sur le numéro 4. Le numéro 4, c'est un exercice préparatoire en fait sur le fait de rentrer de la triple croche là-dedans. Je l'ai mis moi sur tous les temps, cette triple croche, d'accord? Vous pouvez la mettre un temps sur deux, c'est pas obligé de faire sur tous les temps. Pourquoi je l'ai mis sur tous les temps sur l'affiche? Bien pour vous aider et vous entraîner à la faire systématiquement. Après, vous pouvez choisir de le faire une fois par mesure, deux fois par mesure. Moi, j'aime bien le faire, par exemple, que sur le temps où il n'y a que la grosse caisse, c'est-à-dire le premier et le troisième temps. Sur le deuxième temps, on n'est pas forcément obligé de le faire. Mais un exercice préparatoire, c'est très très bien. Et c'est un, deux coups à gauche, un coup à droite. Et sur ce coup à droite qui arrive à la fin, on a l'ouverture. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite, c'est ça qu'il nous faut. Au terme de cette vidéo, normalement là vous avez de quoi pouvoir commencer à incruster votre batterie sur ce titre. N'oubliez pas de travailler très lentement. Quand vous voyez que vous commencez à être assez régulier, vous enclenchez votre métronome vitesse 30, c'est très très lent, et vous demandez à votre métronome de jouer des croches. Et vous montez ça avec des croches pour numéro 1, 2, 3, 4, même si vous le souhaitez. Voilà. L'idée c'est d'arriver à 100. Une fois qu'on est à 100, c'est bon, ça veut dire qu'on est capable de jouer directement sur la musique, tout ce qu'on a vu là. Et pour les exemples et voir un petit peu ce que ça donne, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur IGTV, sur mon compte qui va s'inscrire en dessous, Instagram, et vous pourrez voir le cover complet de la batterie avec la musique sur le morceau en entier. Voilà. Pour ce qui est cours en ligne et tout ça, j'ai le regret de vous dire que cette année, je suis, mais alors full, complet, je n'ai pas... j'ai plus de temps du tout, vraiment, plus d'espace. Mais je tiens quand même à garder encore... Donc, au moins, cette vidéo par semaine tuto sur un pattern ou sur un cover, sur de la technique, ça, voilà, on va le garder. Et on a fait un live donc sur le mois de janvier. Je vais essayer aussi de mettre en place au moins un live par mois d'une heure où là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez pendant ce live-là. Voilà. Merci encore pour tous vos abonnements, tous vos j'aime. N'oubliez pas d'activer nos notifications, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Voilà, tout est bien rangé dans les playlists. Il y a les patterns d'un côté, la technique et les covers. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire à vos baguettes et à très bientôt. Salut tout le monde.